Eh hey, bonsoir, bonsoir, désolé, j'étais Allez, au boulot. Ils ont bien fait leur travail. En train de discuter avec Toussaint. Ah bon, bah tant mieux, tant mieux. Bon, après, c'est quoi les prochaines installations? Ah bah c'est bon, là, c'est fini. Ah, c'est fini. Ah ouais, attends. Ça me coûtait une blinde, Toussaint, là. Ah ouais, non, bah, je te le dis, ils auraient peut-être pu t'ouvrir ton appartement là-haut, tranquillement. Ouais, non. Ça coûte déjà une blinde. Pas déconner. Ah bah. On ne sait jamais, déjà que t'as mis une statue assez sympathique, qui a déjà coûté une blinde. Ouais, mais ça, c'est une demande de la directrice. Ah, c'est la directrice qui a voulu ça. Ouais. D'accord. C'est une demande de la directrice spéciale, elle le voulait absolument. Et c'est une directrice avec un mulet, peut-être? Non. Une directrice avec une coupe de cheveux rouges. D'accord. Madame la directrice Duchesse, quoi. Ah oui, d'accord, Duchesse en plus. Ouais, que moi qui l'appelle comme ça, Duchesse. Mais elle a expressément demandé cette statue. Ah oui, évidemment. C'est vrai que ça te dérange un peu, quoi, t'aurais préféré autre chose. Oh non, moi j'aime bien l'arbre. Oh, je suis sûr que t'aurais préféré une statue de chef afghan. Bah écoute, étant donné que t'as déjà tout pris, il n'y en avait plus. C'est vrai, j'ai une grande collection. Tiens, d'ailleurs, regarde, j'ai encore une collection qui passe dans Siamion. Peut-être dans un autre, je sais. Ah, pointe. Tu crois que ça veut dire qu'il arrive, ça? Peut-être. Ah, mais je suis pas sûr qu'on l'ait vu, par contre. Ah, non. Oh là, il a écrasé quelqu'un. Pas folant. Ah oui, appelons la police. Ah, enfin, bah, s'il travaille. La ferme, ils sont à 10 bornes. Ils arrivent en même temps que le ranch qui sont à 200 mètres. Et je suis sûr que tu les appelles en même temps. Exactement. C'était folant. Namasté, messieurs. Namasté, monsieur. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il est prof de yoga. Tu fais plus de yoga ici d'ailleurs? Je sais qu'à l'époque non, tu faisais du yoga. Mais... ça fait un moment que j'en fais plus. Ah bah, si jamais vous le refaire un jour, vous m'appelez. Hein. Non, ça va. Ah bah, Lyon, que. Vous avez tout le monde du coup? Bah oui. C'est impeccable. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin? Eh ben, on a besoin de nourriture. Ouais. Formidable. Je veux 10 burgers, 10 salades, 10 jus. Jus de pomme ou d'orange? Jus de pomme. Ok. Notre service, Germain. Notre service, mon bon John. Je voudrais 10 ratas, 5 brochettes et 10 jus, s'il te plaît. Ok, pas de soucis, j'ai ce qu'il faut. Merci bien. N'hésitez pas à rentrer pour me livrer directement au frigo. Hein. Eh ben. Allez, je vous tiens à la porte, c'est un peu lourd comme carton, vas-y. Merci bien. Oui, tout à fait, bonjour monsieur. Tu m'en as porté combien? 20. Allez, voilà quelqu'un qui est bien. C'est quoi ton nom? Voilà, moi c'est Chi. Chi? Oui. Je réceptionne toutes mes marchandises et après on fait les factures. Hein. On d'accord, fera ça dans y le bureau. A pas de vas-y, hein, va t'asseoir, fais-toi une petite partie de pénétrator. d'accord, je t'en merci. Prie. Hop là, ouais, allez-y. Je vous donne tout ça. Allez. Et bonjour. Allez, dis bonjour. Et bonjour. Les 10 jus et les 10 salades. Hop, et du coup, bonjour, bon bis sauvage. J'ai discuté avec tout ça, et puis j'ai pas eu le temps passer. Hop là, je vous fais ça vite fait. Ah, fait. On est d'accord qu'on a plus de contrat, monsieur Toussaint. Non, on a plus de contrat, non. Certainement pas. Vraiment la toute fin des années 90, donc 48-49, hein. Ça commence. Alors, on a déjà un pied dans la tombe, je vous le dis.
après. Oui, bien, pardon. Mon petit John. Ouais, Germain. Vas-y, assis-toi. Comment tu t'appelles déjà, Namasté? Namasté Charles. Namasté Charles, très bien. Allez, pardon. Ouais, je te passe tout ça, je devais te ramener encore les brochettes juste. Ah bah carrément, c'est la classe maintenant. Salle de jeu et tout, c'est nickel. Je vais faire pareil à la ferme. Arrête, ça va. C'est pour la productivité des employés, ça fait que dalle, regarde, ça se branle depuis tout à l'heure. Ah je t'entends, Jean. Oh zut, ça perd les pompettes, tu m'entends? Bah il a dit qu'il vous adorait, c'est tout. Hein. D'ailleurs j'ai fait ça aussi dans ton bureau l'autre coup. Je vais te chercher les brochettes, j'arrive. Hein. Merci. D'ailleurs c'est quoi ton record là sur le pénétrateur? 4 252 822. Ah oui quand même, pas mal. Je sais même pas en fait. C'est simple hein, d'utiliser les flèches directionnelles droite, gauche, au bas. Non mais je sais bien, j'ai dit que je savais pas mon record. Ah bah ouais. Quel est con celui-là. Ah bah faut que je réceptionne. Attends, je vais réceptionner. Non, que dalle. Ok, d'accord. Alors, je vois que la confiance est là, hein. Va te laver les mains avant. Oh là 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 là. Tac. Regarde, je passe sur la radio. Je vais les ranger tout de suite. Tac, bim, boum, crac. Je vais les ranger quoi au fond. Ouais, là, là, ils sont très bien. Un pec. Eh ben, venez dans le bureau, je vous connais. Allez, c'est parti, on y va. Ce soir ça va être soit tranquille hein, soit tranquillou, soit on va farmer un peu du PNJ. D'ailleurs tant qu'il y a à faire, attends, je vais m'arrêter sur le côté. Il y a des gens pour qui payer. Bah allez, je vais les mettre là.
Quelles sont les musiques du serveur? SoundCloud, il est là. Ah, ça je m'en fous. J'arrive, je vais au dépôt faire une petite sieste. Ah, la Garde. Musique. Lock, prise de service, bonsoir tout le monde. Salut. Eh, c'est salut. J'ai juste regardé depuis mon téléphone si le stream bug pas, parce que généralement quand je le dis que ça merde dans tous les sens après. Je suis à 2,5 km. Bah je prends 1 km, prenez, allez-y. Ah, ah d'accord, non, mais prenez, je vais faire une pièce. Ok. Voyons voir où est-ce que je suis moi. Où est mon stream? Bon, ça m'a pas l'air de bugger. Bon, tant mieux, impeccable ça. Mettre la bande, enfin la musique, les musiques du serveur, pardon. Donc on ferme les PNJ. Ah mais quel connard, ça c'est le client de... Ok. Où est-ce qu'il m'emmène ce client? J'ai un client, je peux pas prendre les gars. Moi je suis à 2 km. Moi je suis à 1,3 km. Bon bah c'est pour toi.
Ah, bah je suis à 700 mètres, impeccable. 400 mètres. Ah putain, la vache. Je récupère jamais une seule course, hein, c'est affolant. Hélicoptère qui vient démarrer du LSRC. Du LSRC, du LSI, pardon. Et je viens encore de déposer un flic à son boulot. Ah mais ça, ça va en plus savoir mon archi, il dit ça, mais on est PNJ. Petit message de la part de Jesse que je viens de transporter. Il y a une patrouille qui s'amuse à arrêter pour rien. Vraiment pour de la merde. Donc faites gaffe parce que lui, il s'est fait contrôler juste pour qu'il se foute de sa gueule. Ah tiens, qu'il le fasse. S'ils le font, vous m'appelez, j'arrive. Ok. Qui m'arrête et que j'ai un client, ça va gueuler. Parce qu'ils sortent plus avec des armes, donc ça veut dire qu'on n'est plus en alerte maximale. Tout à l'heure, moi, ils sont sortis, ils avaient encore des armes devant moi. Ah, d'accord, ouais, bah, donc j'ai pas eu de bol quand ils m'ont arrêté. Et ils arrêtent, ils demandent des papiers au moins? Ah je sais pas, c'est juste ce que Jesse m'a passé le mot, il m'a dit ouais, il s'est fait arrêter comme ça au magasin de vêtements et puis ils se sont foutus de sa gueule, ils sont repartis. Ok.
Oh, mais le chien de merde, tu veux pas monter, ça y est. Allez, c'est Jarold, j'ai fini ma sieste, c'est bon. Ok. Ok, d'accord, il a disparu le... L'hélicoptère toujours présent, s'il vous plaît. Dépêche, prends pause. Ok, ok. Il est encore là, Josh? Oui. Ouais? À chaque fois que je choisis ma voiture, j'ai une petite pensée pour toi. Pas très agréable. Ah, ça va être un peu plus dur pour draguer les clients. Ah, je pense avoir une touche avec quelqu'un. Avec Charles? Non, non, c'est le père à Josh, je voudrais pas. Après, il m'appellerait belle maman.
Non, non, je ne dis pas de nom parce que je veux pas m'enflammer alors. Oh. Quel métier ? Elle est SRC. Il y en a pas des. D'accord. Non, il y en a deux. J'en connais qu'une, moi. Amélia, elle est SRC. Amélia et Mégane. Et Mégane. Oui, mais c'est vrai, Mégane, tu casses. Oui, certes, elle est secrétaire, mais elle est où les SRC? Non, mais vu qu'elle répare pas de voiture, je... Ouais, bah oui, oui, c'est normal. Ah, mais bon, après, je me fais des films. Hein. On sait comment sont les hommes, hein. On se croit dire alors qu'en fait. Alors, non, ça s'appelle pas tous les hommes. Ça s'appelle les Michel Blanc. Ouais. C'est ça. Ouais, mais sur un malentendu. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Sur un malentendu. Je vous épargnerai la chanson quand on reverrait. Dans un monde aussi merveilleux. Il est sur la voie d'en face, mais il y a l'hélico des 22 juste au-dessus de moi, et du coup, je peux pas faire un demi-tour. Bah, tu fais un joli demi-tour tranquillement. T'es où? Non, je viens faire diversion en hein, sinon. Allez, les chiens qui montent pas. Ça va te coûter plus cher d'amende. Je crois qu'il devait partir vers la mairie. 1000 balles d'amende ouais. Pour un client à 6 dollars. Wouhou. C'est pas mal. Ah, c'est un bon ratio. Au côté, il y a une chance sur deux qu'il te fasse fuir ton client. Ah, je les entends. Police, signalé place des cubes en code 3. D'accord, ok, bien pris, merci. Deux voitures. Trois voitures. 3 fois 4 voitures. Ah, 4 fois plus que ça dégénère. Oula, parler tous en même temps, ça devient compréhensible. Non, parce que j'aimerais quand même bien leur demander là concrètement le PPA, comment ça se passe quoi. Parce que les sons de cloche à chaque fois. Je l'ai même pas touché quoi, sérieusement. Et voilà. Ouais, ils sont à l'esprit, ouais. Ça sent la réunion. Ça sent aussi la bonne prise. Pourquoi il y avait une voiture avec eux? Oh mais ils étaient 4 voitures hein, sur le même trajet. Bah oui, s'ils rentraient tous au LSP. Ouais, c'est ça, tous pour une réunion du coup. Ah voilà. Je vais vous dire ça. Ils sont pas tous rentrés. Non, j'en ai croisé un. Ouais, moi je l'entends. Je croyais que c'était pour moi, tu vois, au début, est-ce qu'il était juste derrière moi? Toujours aussi. Au niveau du pôle emploi. Ouais, bah j'étais pas très loin. Hélicoptère. Oh bah merde, alors ça a pu... Je vais plus prendre de PNJ, allez.
Moi, je savais pas comment réagir. On faisait droite, gauche, mais quoi. Hélicoptère, elle est ici, ouais, une route. Ouais. Ils sont sous bon dans le secteur là. Mal. Ah, ça arrive des fois. Ah bah c'est pareil pour moi, bah, ça fait 10 minutes que je peux pas prendre de clients. Éteins-le, rallume-le, des fois ça résout le problème. Ah, hélicoptère LSPD qui s'est planté dans la banque. Non, c'est la Vintage. C'est un autre district. Ouais. Ah, c'est pas les mêmes services, ça. Non. Ah, le district de Vinewood, ils savent pas piloter. Faut faire attention. Voilà, et des fois, ils sont même au LSM. Ouais, ou des fois il se pose sur l'autoroute. Ça c'est celui de... C'est l'autre. Ok. Parce que j'en ai déjà vu un se poser au niveau du ranch pour l'autoroute. Voilà. Ah, c'est quoi la limousine blanche? C'est pas notre garage. Ils m'ont vu, il n'y en a aucun qui a répondu à l'appel, ils se sont tous barrés. Hein. Pourquoi tu les as appelés? Grosse réunion alors. Eh ben, il l'a dit, pourquoi il l'a appelé? Pour le PPA. Ah. Ils se sont dit, lui, il vient nous casser les couilles encore. Ah non, mais pour le PPA, de toute façon, on l'a tous dans le cul, hein. On se merde. De toute façon, faut les faire chier pour ça. Hein. Ils se démerdent avec Strauss après. Hein. Julien, toi aussi tu dois repasser ton PPA? Non, avantage d'être capitaine, tous les anciens capitaines ne leur passent pas. Ah, c'est bien ce que je me disais, parce que sinon tu faisais avoir, vu que Germain lui a pu avoir son PPA directement. Oui, avec mon passé. Avec les concessionnaires. Et puis avec mon passé, les mecs, s'ils veulent pas me donner mon PPA, c'est quand même moyen, c'est moi qui les ai tous formés là-dedans. Donc... Il y en a des RSPD au taxi. Ouais, là j'ai encore une sur. Non, mais des anciens du RSPD qui sont maintenant chauffeurs de taxi. Ah ouais, c'est, ouais, y en a, c'est étonnant. Fais gaffe avec le taxi 5. Parce qu'il y a une voiture de RSPD qui vient de passer juste par là où tu allais. Ouais, j'ai croisé. Dans 3, 2, non, parce que je te dis, parce que tu roules vite. Ce n'est pas prévu pour tout de suite. Bah écoute, je l'ai croisé une, je roulais vite, elle m'a rien dit. Bah, fais gaffe parce qu'ils vont en réunion, mais fais gaffe parce que là. Là, ça pardonne pas, hein. C'est les 300 balles, ils vont pas te dire. Ah bah non, là, ils discutent. Ah ouais. Ok. Déjà que t'avais pas payé $50 d'amende. Alors 300. Bah ouais, j'ai tout en banque, moi. Ça n'empêche qu'on n'oublie pas, hein. Tu nous dois détourner. Hein. Je vous ai dit. Qui c'est qui veut $50? Une truc couille là, une triple couille. T'inquiète. Bon bah fin de service pour moi, j'arrive pas à avoir de mon beeper, merde totalement. Ok. Ah. Et tu tournes dans quel quartier par curiosité? Partout en ville. Et à chaque fois que j'ai un client, parce il veut pas que monter. Souvent en centre-ville, il a tendance à merder plus que sur le côté de Vinewood ou le côté de la plage. Ah ouais, non, mais je tourne partout, mais à chaque fois que j'ai un client, ça monte pas et tant pis. Les gars, vous croyez que je fais un ticket postal si un homme Tom m'a envoyé dans un tunnel du métro sur des rambardes? Quoi, tu il vient d'arriver ça là maintenant? Ouais. Et du coup, le taxi, il est avec toi ou pas? Ah oui, je suis dedans. Une rambarde qu'il a traversée au niveau du pare-choc et qui ressort par le pot d'échappement. Et le taxi, bah, il est empalé. Oh putain. Mais il roule toujours, hein. Juste, il pourra plus jamais sortir de là. Je vais en radio 30 secondes, les mecs. Je vais faire un ticket postal, non?
Si tu fais un tour. Je vais foutre sur le côté quand même parce que je crois qu'elle a un. Je sais pas si elle est. Non, c'est comment il s'appelle déjà. Ah, j'ai pas son numéro à Riggs. Tous merveilleux. Strauss. Putain, j'ai pas le numéro de Riggs. Tous merveilleux. Je vais jusqu'au SMS. Ah d'ailleurs, il voulait me parler de Pimpin du SMS et du les deux directeurs. Hier. Et pourquoi tu... Oh mais sérieusement, mais je suis pas en service en plus. Plus en service et ça met comme quoi j'ai des clients. Bonsoir. Bonsoir. Eh hey, salut salut. Eh hey, salut. Bah du coup hier je voulais me parler, ça vous met un peu le temps de savoir. Malaric, il y a Delfarge qui est là. Non, je ne donnerai pas mes organes, si c'est ça la question. Ah bah je croyais que c'était pour la coloscopie. Non j'ai pas encore 50 ans. Là avec 29. Ah bah. Même si j'ai plus, mais non. Bon, c'est Delfarge. Eh, salut, salut. Est-ce qu'on peut te voir dans le bureau? Oui, oui, pas de soucis, oui. Ouais, allez, viens. Parti. Alors, si c'est pour un plan à 3, je préfère quand même quand c'est deux meufs, hein. Pas rien. Je te comprends, mais je te rassure, moi aussi, je préfère quand c'est deux meufs. Ah, bon, très bien, impeccable. Et moi aussi. La magnifique, la musique, la musique. C'était Cécile là. Oh bon, ça aurait été Cécile, tant pis hein, cousin. Ah. Ça aurait été tant pis pour lui ou ça aurait été tant pis pour toi? Bah pour moi, je crois. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais, c'est celui-là, ouais. Bah, tout le monde porte ici que moi je me retrouve plus. Hein. Ouais. C'était plus simple, c'est l'hôpital. Hein. Bon, ouais. Je voulais te voir, déjà de 1... Par rapport bah déjà à ce qui s'est passé hier soir. Il s'est passé pas mal de choses hier soir. Alors qu'est-ce que tu parles, ouais. De quoi? De la formation, de... Je sais pas. Non, par rapport à ce qui s'est passé en soirée. Comme tu es notre avocat, normalement, tu es tenu au secret professionnel. Évidemment. Donc, ce qui se dit dans ce bureau reste dans son bureau. Évidemment. D'accord. Hier soir, Lexa... Aldemo, mon compagnon, oui. Ouais, Aldemo, en gros, est venu à l'hôpital pour une césarienne par rapport à sa fille. Ce qui a donné qu'ils ont réussi à la sortir, la fille. Elle allait plutôt bien, elle avait quelques petits problèmes cardiaques, mais tout va bien. Ok. Le problème qui s'est passé, c'est que l'opération finie, quelqu'un est rentré dans l'hôpital et a enlevé la petite et Lexi. D'accord, d'accord. Et Lexi a été retrouvée plusieurs minutes plus tard avec la,
coup la césarienne qui n'a pas tenu, vu qu'elle devait pas bouger à la base. Eh bah ouais. Elle a fait une hémorragie, elle est morte, et sa petite a disparu. D'accord, d'accord. Donc, étant donné que tu es notre avocat, nous t'en parlons au cas où il y aurait des poursuites judiciaires envers l'hôpital, du fait de l'enlèvement, donc négligence. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois, je vois, je vois. Après, c'est simple, hein. Vous n'êtes pas ni le SPD, ni un service de sécurité privé. Vous êtes là pour soigner les patients, mais dans les cas, pas de service de sécurité privé ou autre. Assurer la sécurité des patients ici, vous pouvez pas tout gérer. Tout l'hôpital est grand, il y a pas mal d'étages, donc pas non plus être à droite à gauche partout tout le temps, à surveiller toutes les allées et venues. Exact. Donc, techniquement devant un juge, il va pas y avoir beaucoup de problèmes, hein, très clairement. Ça devrait aller. Après, évidemment, ça peut. Il peut y avoir quelqu'un qui porte plainte, hein, que ce soit comment il s'appelle, Ortega ou même son avocat. Non mais je sais que ça va arriver. Le connaissant le, ouais, le, ouais, le ouais. Lascar, ça va arriver. Surtout cause de l'émotion surtout. Oui, ah, après. Le fait est de savoir qui aurait pu l'enlever, quoi. Parce que si c'est une personne qui connaissait Alexa et qui l'a emmené en mode salut, viens, on y va. Là, c'est encore un peu plus compliqué parce que bon, c'est un enlèvement, ce qui s'est fait. Mais oui, ouais. Il s'est fait sans. Ce qui aurait pu se faire sans violence, en mode bon, bah vas-y, je te ramène à la maison, et puis finalement, non. Tout dépend de comment elle aurait pu être enlevée. C'est ça qui est compliqué. Donc, écoute, d'après ce qu'on sait officieusement, par nos infos, ce serait apparemment un des rivas qui aurait paniqué, a priori par rapport à ce qui s'est passé hier soir, qui aurait voulu emmener Lexi et la petite loin d'ici. Mmh. Et apparemment, ça a tourné au vinaigre. D'accord, d'accord. Ok, bah je vais me plonger sur le cas, mais théoriquement ça devrait aller. Si c'est l'un des si c'est l'un des leurs, c'est pas un enlèvement. Je pense qu'il n'y aurait pas eu d'enlèvement avec force et violence. Donc voilà, après pareil, hein, si elle se serait sentie en danger, elle aurait pu appeler avec le beeper qu'il y a sur les lits, d'appeler ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. De toute façon, à ce moment-là. De toute façon, à ce moment-là, ça aurait été compliqué. Ouais, de toute façon, on était en sous-effectif. Ouais. Bon, après, il était 1h30 du mat, tu comprends bien qu'il n'y avait pas forcément de médecin en service, quoi. Effectivement, ouais, le service de nuit, après, c'est compliqué. Ouais. Je vois, très bien. Il y a eu ça, déjà pour commencer. Ouais. Il fallait qu'on t'en parle. Et le problème qu'il y a. C'est quoi, c'était lundi, non Alex, Marcus. C'est lundi ou le week-end dernier? Je sais plus. Ouais, je crois que c'était ça. C'est dimanche, je crois. Hein. Lundi ou dimanche. Bah, enfin, on a dû virer un de nos internes. Mm-hmm. Tout simplement parce qu'il a utilisé du matériel qu'il n'a jamais été formé. Mm-hmm. D'accord. Sans autorisation. Exactement. Et qui vaut une blinde. Exactement. Sans aucune raison médicale, en plus. Ah oui. 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 Ah, déjà, il y a besoin de jouer vue d'autrui parce que s'il l'utilise sur quelqu'un alors qu'il n'est pas formé, c'est dangereux. Oui. En plus, il y a vol de matériel, très clairement, parce que s'il n'est pas autorisé à faire ça. Et puis, c'est déjà pas mal déjà. Bah, c'est simple, en tout et pour tout, avec ces conneries, il y en aurait pour environ 30 000 $ de perte matérielle. Ah oui, quand même. Ouais, exactement. Ça coûte cher, ces petites bêtes. D'accord, très bien, très bien. Bon, pour faire simple, il a utilisé de la nanotechnologie sans savoir comment l'utiliser. Exactement. Oui. Okay. Et ok. Il a eu beaucoup de chance qu'il les a pas programmés. Donc, sans effet. Ok, tant mieux. Très bien. Du coup, vous voulez faire quoi? Porter plainte
C'était pour savoir si lui portait plainte sur le fait qu'il soit viré, que vous n'avez pas des problèmes, c'est ça? Exact. Ok, non, bah vous n'avez pas de problème. Non, on s'en fiche. On s'en fiche de la perte matérielle. Écoute, c'est du matériel, ouais. Bah, ça se remplace. C'est pas le problème. Nous, ce qui nous inquiète surtout, c'est par rapport aux patients. Ouais. Par rapport aux patients, de 1. Et de 2, au cas où ils nous attaquent en justice pour licenciement abusif. Ah là, non, c'est pas du licenciement abusif, là. Là, oui, s'il fait ça, c'est du foutage de gueule, surtout. Non, mais il en est capable, moins, il est assez oui. Non, mais là, ouais. Là, sur ce point-là, il y aura pas de licenciement abusif. Mm-hmm. Pas clairement. Bravo sur ça, vous êtes peinard. De toute manière, il a jamais été formé par le chef de service. Le chef de service, c'est Marcus. Il ne l'a jamais formé. Ah, de 1. Il m'a jamais demandé. Il a marqué dans le dossier du patient comme quoi il l'a utilisé. Et ça a été signé de sa main. Ah oui, en plus. Il n'y a pas le truc là, le serment. Il n'y a pas le truc du serment d'Hippocrate qui fait comme quoi qu'il ne doit pas mettre en danger la vie de son patient. Mm-hmm. Si, techniquement. Ah bah voilà. Techniquement, on pourrait porter plainte. Techniquement, ouais. On pourrait porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, utilisation abusive, en gros vol, quoi. Oui. Et voilà quoi. Si vous portez plainte, c'est facile. Hein. Derrière, il porte plainte, nous derrière, on peut reporter plainte et on lui dit tant qu'il ne lui passe sa plainte, la note reste. Avec Arlington en ville, je me méfie. Oui. Enfin là, quand même. Surtout qu'il écoute un peu à toutes les portes. Et dès qu'il a l'occasion d'éventuellement de porter plainte et de se faire du fric. Il fait en sorte de porter plainte. Ouais, c'est le premier à venir me voir pour devenir son associé, puis derrière j'entends qu'il me casse du sucre sur le dos. Non, mm-hmm. Mais ça c'est clair et net, je le dis tout de suite. Ah, pour te dire, ouais. Donc bon. Déjà, il a pas fait long feu en tant que médecin. Ah oui, c'est vrai. J'imagine même pas en avocat. En même temps, moi je suis le moins cher de tous les avocats, donc évidemment que ça me casse du sucre sur le dos. Mm. Puis c'est moins cher, c'est peut-être le plus réglo quoi. Ouais. Exactement. Ses contrats c'est 5 000 $, mais contrat c'est 200 $. Peut-être pour ça qu'il a pas eu une seule entreprise en tant que contrat. C'est ça marqué hein. Oh là là, bah très bien. Désolé, sur ce genre de choses, je préfère faire confiance à un ancien flic qu'à un trou du cul. Exactement. Bah oui, bon, moi tu connais le boulot toi. C'est vrai. C'est impeccable. Okay, c'était tout. Ok. En tout cas, si t'entends quoi que ce soit par rapport à ça, enfin tu vois quoi. Oui. Ouais. De toute façon, je vais aller. Je suis quand même obligé de prévenir le maire du fait qu'il pourrait y avoir des soucis avec l'hôpital. Je vais pas rentrer dans les détails. 22 h et on va lui en parler. Ok. À 22 h, vous m'appelez. Vous avez mon numéro, comme ça moi je suis présent. S'il y a des questions. Mon numéro, je crois. Attends. Que je regarde dans mes papiers. Du coup, Malik sera là. Moi, je serai pas là. Je serai pas là. Mais c'est pas grave. Tant qu'il y a un membre de la direction, c'est déjà pas mal. Exactement. Toi, c'est 5994, hein? Ouais, c'est ça. Bah, c'est bon, je l'ai. Ok. Ça, tu m'appelles, je viens en même temps. Je l'ai aussi. Ça, si le maire a des questions, on t'en fait. Ouais, c'est bon, je l'ai. J'ai le numéro aussi. Par pur hasard, vous avez le numéro de Riggs, parce que j'arrive pas à foutre la main dessus. Riggs, bien sûr. Ah, bien sûr qu'on l'a. Parce que c'est pas qu'il a un club de moto qui m'intéresse, mais. Écoute. 68. Okay. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est qu'il faut que tu viennes à samedi. Ouais. Tu sais où il est le club? Ouais, il est en face du STS. Bah voilà. Samedi, tu viens. Par contre, il faudra que quelqu'un te parraine. Faut obligatoirement un parrain pour pouvoir rejoindre le club. Ok. Du coup, c'est bon, t'as noté. D'ailleurs, ouais, il y a un véhicule, une espèce de. Je sais pas ce que c'est. Une espèce de pick-up, mais sans la benne derrière, là. Qui est rentré dans le club de motards, là, il y a 10 minutes. Un pick-up sans la benne? Ouais. Donc, je crois qu'il était rouge. Je sais pas. Oh, voilà. Ok. Oh, mais impeccable. Je t'appelle tout à l'heure à 22 h. Ouais. Ok. Dès que j'ai rendez-vous avec le maire, quand on se rejoindra à la mairie. Par contre, moi je vous laisse, messieurs, parce que j'ai une petite fête à organiser pour un membre du club. Ok. Et plus tard, Delfarge. À plus tard. Et bonne soirée, Marcus, et à demain. À demain. Bon, bah. Et donc. C'est nickel. Donc les portes sont lourdes ici. Hein? Les portes sont vachement lourdes. Ah, bah ça. Voilà, impeccable.
coup, ça s'est bien passé là, la petite formation premier secours hier? Ah ouais, ouais, c'est impeccable, c'est impeccable. C'est bien passé. Bon, après, moi j'avais une formation organisation médicale militaire de terrain, donc. Ouais. Je me souviens encore de tout ce qui est garrot de fourniquet, pansement hydradalien, pause, presse. Après, ça fait pas de mal un petit. Ah oui, une petite révision comme ça, c'est dur. Exactement. Ah là là là. Bon, j'espère que ça va être tranquille ce soir. Oh, je pense. En ce moment, apparemment, hier c'était déjà encore une scène de guerre et de fusillade dans tous les sens. Oui. On s'appuie un des taxis qui s'était fait aussi enlever. Mmh. Ok, ok. Bon, bah, tiens, plus tard. En fait, ouais. Il s'est passé quoi pour que les taxis soient interdits en monarchie On a eu un peu, je sais pas, je crois que le patron il a eu un pépin avec les autres trous du cul, avec le masque blanc, là, enfin pas le masque blanc, la gueule blanche. Je sais pas, les maraudeurs, quoi, ils appellent ça ouais, comme ça. Ouais. Je sais pas, apparemment il y a eu un pépin, donc. Ouais. Ouais. Donc voilà, voilà. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je vais pas rentrer dans les détails, mais. Ah, un client. Ouais. Bon, bah plus tard. Ah, plus tard. Le mec, il y a un gars de malade et qui est dans son ambulance, qui est blessé. Tiens, un client. Je suis le pire des salauds, quoi. Oh là là. Bon, je vais remettre un peu de musique. Ah oui, c'est vrai que je désors ça, putain. Team de la monarchie. Je me demande si encore l'avion là-bas à Paléto. Avec ce soir de chill où je vais rien foutre. Qu'est-ce que je fais parce que j'ai d'autres trucs à les faire aussi. Ah 15, putain c'est vrai, il faut que je passe à 15. Je vais l'oublier. Kamikaze.
Merde, c'est pas cette route là que je voulais prendre. Comment on fait? Ah non, il faut passer de l'autre côté du pont. Eh bonsoir. Ah monsieur l'avocat. Ouais. Oui l'avocat. Oui c'est ça. Oui je... tout à fait. Ah, comment vous allez? Ah oh, bah ça va tranquillement. Ça va les trois droits de droite à gauche. Alors comment se passe ce petit pelotelette et speedy? Oh ça se passe très bien, très très bien. C'est vrai. C'est plutôt calme. Moi oh, j'aime, ça me va. Et au taxi ça se passe bien aussi? Oh oui oui c'est tranquille, hein, c'est tranquille. Bon, je suis peinard. C'est vrai. Voilà. Et sinon, vous, comment ça va, messieurs? Bon, oh, bah, ça va super, hein, écoute. Ça va super. On travaille. Tant mieux, tant mieux. Voilà, on profite un peu aussi. Quoi. Donc, les affaires tournent bien, tombe. Ouais, tout tourne bien. T'inquiète pas pour ça. Impeccable. Ça marche. Bon, allez, je te. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Des voitures. Oh, bah, ça, j'ai vu que c'était des voitures. Ouais, ouais. Super. Bah écoute, je te laisse tranquille. Ouais, mais pas de soucis, pas de soucis, écoute. Je te dis à plus tard. Ouais, plus tard. À plus tard. Bon, allez, d'avant. C'est sympathique ça comme véhicule, hein. Sympathique ce combo. Je suis un petit peu foulé, je la cheville, ça fait mal. Lingo avec son béret. Si lui, là. Si, c'est qui? Je sais pas, mais. J'ai acheté la plata, tu m'entends? Mais non, mais arrête de. Par contre, arrête, hein, tu parles trop. Oula, oula! Eh, bonsoir. Ah, bonsoir. C'est pas top, ça, vous allez bien, monsieur? C'est vraiment pas fou. Oui, je suis pas fan. C'est quoi votre type de voiture? C'est plutôt ancienne voiture, nouvelle voiture, grosse voiture? Je sais pas trop. Une voiture, peut-être? Je suis dans la décision totale depuis quelques temps. Et vous avez de la plata, vous, pour acheter une voiture? Non, 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 je suis surtout pour voir s'ils ont pas un petit...
petite motocross, truc pas cher. Vous savez qu'il y en a des pas chers, hein, concessionnaire, de concessionnaires. Ouais, mais des fois ils en ont des moins chers ici. Si vous voulez, j'ai une manchaise. Hein. Ah, c'est Claro, il a une manchaise. Ouais. Ah, je veux pas sous ce comme, comme moto. En gros, moto-cross, c'est quoi. La motocross. Oh, oui, je vais faire un topo. Il y a la Enduro, c'est vraiment de la merda. Ensuite, au-dessus, il y a la Sanchez. Sanchez Sport, c'est pareil. Ensuite, il y a la Manchez. Et ensuite, il y a la BF400. En gros, hein, je vous fais un topo. Ah, d'accord, ok. Vous pouvez aller voir si vous voulez, vous pouvez dans les concessionnaires. Elle est un peu en dessous de la BF400. Ok, c'est une petite motocross qui va vite et qui va partout. Après, c'est pas une BF400 non plus, hein, mais ça fait le taf. Oh, ah bah je vais noter ça. Eh hey, salut le... Comment ça va le belge? Bah pas vrai quoi. Oh bah tranquillement, tu sais là je... Je suis dans la décision depuis quelques temps, je ne sais pas trop quoi faire. Pour ça? Bah je ne sais pas quoi acheter, je voulais voir si t'avais pas une petite motocross. Une Hermès, ça c'est bien acheté. Ouais. Oh bah je voulais voir si t'avais essayé pas une petite motocross, un truc. Non, motocross on a pas, par contre on a ça qui est marrant en promo. Ah ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est un Youssef Idri. C'est marrant pour aller ensemble. Ah ouais? Oui. Et elle passe de 71 000 à 59 000. Ah ouais, ouais. Ok. Bon, ouais, je vais faire un peu le tour du 16, ouais, voir si. Si tu veux essayer un truc, t'hésites pas. Hein. Ouais. Nickel. Sympathique ça aussi comme voiture. Voilà un petit truc là, vraiment un truc de merde pour les faire du tout terrain, voiture cross. Ton RS. Non, ça marche bien ça. Des vis, ça devient des vis. Davis. C'est quoi ces pneus là? Putain, le jockey tuning quoi. J'ai envie de l'essayer celle-là. Ah, j'ai juste envie de l'essayer, vu la gueule qu'il y a là. Bien drôle. Ah oui, effectivement. Tu seras un peu plus qu'à mi-chemin, c'est déjà ça. Bon, on fait ça mais plus que ça. Pardon, plus. Ah, bah, et on sait quoi, ça va faire. Déjà, c'est les autres qui le temps. La gueule classique. Bah, nickel. Bon, bah, écoute, je te laisse aller près du bureau et puis on fait ça. Je vais juste dire aux personnes qui patientent. J'aurais testé une voiture. Je vais voir ça avec. C'est juste pour déconner, parce que vu la gueule qu'il y a là, j'ai envie de voir ce que c'est. Mais c'est la première qui est à droite, là, la grise. Ouais, ça c'est marrant. Ah, j'ai envie d'essayer ça, parce que putain. Tu sais que c'est un voiture de rugby, ça. C'est fait pour drifter ou quoi ça? Ouais, et là c'est du tuning. Ouais, je vais tester ça voir. Vas-y.
C'est quoi cette pièce, sérieux? Ah ouais, c'est de la merde. Putain, la vache. Ah oui, non mais c'est... C'est con que... Ouais. Ah, on peut quasiment faire un 3-6 avec. Bien lancé, on peut faire un 3-6. Et c'est de la merde, tu me jures, putain. Mais oui, il veut pas que tu m'aimes, tu vois. Ramener tout le monde. Ouais, t'aimes pas trop. Ouais, c'est tout bim. Ça, ce serait pratique pour ton entreprise. Tu veux la faire? Ah ouais, d'accord. Ouais, on dit. Ah, c'est de la merde, hein. Ah bon? Ah bah, c'est honteux. Allez hop, ça me dégoûte pas aussi. Pourquoi il fait 40 kilos, ce machin? Je sais pas, c'est honteux. Ah, le plus gros, c'est lui de l'odeur, il fait 100. Mais moi, je veux ça, là. De quoi? Ah, l'autre, là, putain. Ah non, c'est... Pourquoi bon. il est beaucoup moins cher qu'il est pas custom? Enfin, pourquoi il est beaucoup plus cher parce qu'il est pas custom? Bah, je sais pas, ça coûte un prix de dingue de base en fait. C'est moi, j'aime bien le rose. Y a pas une promotion spéciale anniversaire, genre moins 70%? Ouais, moins 70% non, mais j'aurais pu faire un prix pour ton anniversaire, ouais. Ouais. J'aurais pu te le descendre de 1500 à 2000, quoi. Ouais. Mais c'est les 5% qu'il y a au yellow. Ah oui, putain, oui. Bon, écoute le belge, avant que tu te fasses arnaquer de tout ton pognon, moi je vais y aller. Ouais. Alors, c'est vrai, tu vas me demander du pognon pour rembourser. Comment ça, tu la prends pas? Ah bah non, c'est de la merde ça, tu parles. Tu la prends pas? J'avais dit qu'il était merdique. Bah parce que t'as vu la gueule du machin, et tant tu prends un virage, tu fais un 3-6 avec. Oh, non, mais... ça va, elle a la même gueule que toi et. Ah, eh oh, c'est un truc de Jackie Tuning cette merde là. Ouais, un truc de Jackie Tuning. Après, si on relève le pneu, ça peut être intéressant. Ah, et t'as pas vu Magister toi non? Bah non, j'ai pas vu ta Magister. Oh, c'est compté dans les heures supplémentaires, ça? Oh, je pense, oui. Oh putain. Oui, allô? Oh putain. Ah bah dis donc, oh, tu t'es fait tirer. Vous êtes monsieur Delphard? Oui, c'est ça, tout à fait, effectivement, vous êtes... Bah oui, c'est moi qui me suis fait tirer dessus. Ah, c'est vous, vous avez changé de couleur de cheveux. Oui, bah oui, il faut bien que j'évolue. Effectivement. Bah du coup, c'est votre anniversaire du coup aujourd'hui? Oui. Ah bah, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tu tiens pour qu'il t'achète une voiture, c'est ça? Tu veux la jaune? Non, je veux pas ça, c'est ça. Ouais, mais tu peux la revendre. Non, moi ce que je veux, c'est le truc de. Ah oui, le truc gros. Oui. Ça coûte combien? T'as demandé? Plus de 20 000. Quoi? Mais ah oui, c'est exorbitant. C'est exorbitant. Ils ont un camion custom qui fait 30 kg, qui fait beaucoup moins. Ils ont un autre camion qui est en plus custom et il vaut beaucoup moins. Bah oui, c'est bizarre. Oui, attends, il fait combien de... Ça vaut pas cher, c'est 90. Ah ouais. Fermé. Ah non mais c'est... Moi j'aime bien moi. Bah, ah c'est moi c'est les lignes vertes qui me dérangent, ça fait bizarre. Les lignes vertes j'ai changé ça c'est sûr. Mais j'aime bien comment il est. Et peut-être que je mettrai comme ma Rhapsody la couleur. Du noir mat avec un lacrage rouge. Ah ça peut être sympathique, ça peut être sympathique. Ma Rhapsody elle est trop belle comme ça, du coup je me dis que ça va aller. Ouais c'est pour ça que je vois cette cassée. Et t'as assez d'argent? Non. Ah ouais. Ah, hey, que... Vous êtes là pour acheter une petite voiture? Oui.
J'en ai 4 en vente là si vous voulez. Ah bah si, il est là. Ah, je veux la grosse décapotable moi. 4 en vente, la vache. Il y a la coquette, il y a le Camacho, il y a la Windsor Drop et la Gauntlet classique. Et la décapotable elle coûte combien là? Tu me l'as fait à 10 000? Non, elle est full custom. Ah mais quelle idée, full custom vous. Ah mais par contre avec ça tu montes à 215. Ouais mais moi. Ah mais c'est un paquebot le machin là, bah, ça, ouais, sur la flotte ce machin. Est-ce que je peux l'essayer? Toi t'aimes bien ça non, Delphine? Ça non, mais par contre tu vois celle de derrière elle est pas mal, c'est sympathique. Ah la Gauntlet classique évidemment. C'est la Gauntlet classique. Ah merde c'est brouillé. Ouais. Ah je l'ai changé. La voiture jaune, orange. Ah oui, je la reprends seulement si t'enlèves ton aileron. Ah non, il faut pas. Ah non, t'as pas la référence. C'est ignoble. Ah non, c'est magnifique. Enfin, Mario, la référence. Non, la référence, peu importe, hein. C'est dégueulasse. Hein. Non, ça va, franchement, c'est propre. Ouais. Du coup, c'est combien ça? Ah ouais. J'ai plus comment je la remonte. Dites, moi je sais, j'ai dit 8000 tout à l'heure. Non, parce que je l'ai acheté il y a quelques jours à 63 000. Non, c'est impraticable dans le sable. Ah, c'est pas fait pour le sable. Ah bah non, bah j'apprends pas du coup. Non, j'ai fait. Il est plus souvent en Amérique ici. Ouais, on est parti, désolé. Oui. Ah ouais, du coup tu vends tout ça. Mais tu l'avances. Sinon, le métier de bouquin, ça se passe bien. Laquelle? Oh, c'est calme. Bah en ce moment, ouais. J'ai mes petits contrats avec les entreprises. Il y en a pour 80 000. Mais ouais, c'est plutôt calme. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux. Pas de problème. C'est ce qu'importe, finalement. Oui. Ouais. Et tu peux voir les customs. Est-ce que tu peux faire dessus ou pas? Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Lexi à la démo, du coup? Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Ouais, vite fait, les ragots, quoi, dans ta gauche. Bah, ça m'intéresse. Ouais, je vais réfléchir. Ah ouais, si personne est intéressé, moi je le revends chez Kers. Elle dit qu'elle était décédée hier, je sais pas. Et c'est au cas où quelqu'un l'a décédé. Alors là. Ah, elle est bien, celle-ci. Si je le savais, ouais. Je suis encore dans la police, peut-être. Ah bah. C'est pas faux. Il faut que t'aies l'épreuve, quoi, mais tu sais qui c'est. Effectivement. Mais ouais, non, j'ai pas eu de retour, de toute façon, depuis qu'on m'a. Qu'on m'a forcé à prendre ma retraite, je suis. Les petits farines cabotables en plus, ça fait tout. Je suis. Ouais. Je suis. Voilà, je suis un peu hors circuit des informations qui pourraient se passer en ville. Bah, moi je suis pas policier, j'ai comme les infos, hein, mais. Oui, bah oui. Mais toi tu les cherches, ces infos, moi je les cherche pas. Ah, ouais, c'est un peu. Mais ouais, non. J'ai appris ça tout à l'heure là. Ça serait pas toi un poste de rédacteur pour le journal? Tu m'as vraiment pété tout le temps. Poste de rédacteur ou non? Rédacteur. Rédacteur pour mon journal, non, ça t'intéresse pas. Ah non, j'ai déjà cette paperasse avec mes contrats. Voilà. Mais dans une autre vie, ouais, j'aurais pu. Dans une autre vie, j'aurais pu peut-être être journaliste. Hein. Non, parce que ouais, je sais que je suis pas là éternellement et je préférais que le journal y reste. Mais bon, ah, ouais. C'est mal parti. Et au pire, comment il y a les autres là, c'est le pays. La Team Media. D'ailleurs, ils voulaient me rencontrer, j'ai jamais vu ça. Ils voulaient me faire une interview de moi en tant que capitaine. Il y a plein de trucs qu'ils veulent faire qu'ils vont pas faire, hein, mais. Ah ouais. C'est ce qui me gêne un petit peu, on va dire. Ouais, enfin, de toute façon. Bah, ça fait quelques temps qu'ils me disent qu'ils vont beaucoup sortir dans les semaines qui arrivent. On est dans les semaines qui arrivent, hein. Ouais. Oui, enfin, tu sais, ceux-là, c'est comme. C'est un peu comme le gouvernement, tu sais pas trop ce qu'ils foutent. Hein, donc... Ah, alors que moi, c'est l'inverse. Ouais. Je vous montre bien, quoi. Mais. Peut-être que je serai un graphiste. Tu ne serais pas quelqu'un de bon en design. Qui soit pas proche, parce que du coup, il a assez de trucs à faire de son côté. Hein. Bah, là, non. Là, tout de suite, maintenant, là. Eh ben, je vais continuer ma recherche. Ouais. Enfin bon. T'as vu, ils ont encore changé de capitaine, ça fait long. Oui, mais je m'y attendais, j'étais au courant déjà. C'est une catastrophe. Mais là, il restera quelques mois normalement s'il se fait pas assassiner, donc ça devrait. Ouais, bah c'est ce que. Normalement, c'est ce qui devait être prévu pour moi, je devais rester quelques mois. Oui. Je suis resté quelques semaines. Parce que je gênais, apparemment. Il n'y avait pas besoin qu'il t'en voulait pour une raison que j'ignore, mais bon. Il m'en voulait, ah bon, ah enfin, bon ça. Il t'en voulait surtout à cause de qui t'es formé plus qu'autre chose en vérité, mais. Et qui j'ai formé? Bah, qui t'avais formé tout en fait? À cause de Germain et de Sark. Ah oui.
Oui, bah. C'est pour ça que les gens ne trouvaient pas bien. Alors, pas de la faute, quand je suis arrivé, c'était tout seul le capitaine, quoi. Bah, enfin, j'imagine bien, oui. Et puis Stark était déjà sergent, donc voilà. Puis bon. Bah, je sais bien, mais bon. Les trois quarts des choses que j'ai appris, je les ai appris à l'armée, donc en fait, c'était. Le problème, c'est que les gens, ils ont ça en tête, du coup, malheureusement. Ouais. Enfin bon. Ils ont nommé Stark, ça allait, puis après, ils ont nommé qui? Ils ont nommé Yana en tant que capitaine. C'est parti. Non, c'est l'inverse. D'abord Yana, puis Stark. Non, il était déjà. En fait, il était capitaine dans ce bon, Stark, et quand Toussaint est parti, c'est lui qui avait pris le capitanat. Le temps que Yana arrive. Ah oui, mais après il l'a repris encore après. Ouais, faut l'a repris. Oui, de quoi? La grosse moto là. Ah oui, c'est la mienne. C'est quoi? C'est une Sovereign. Avec. Ah, changer les couleurs, là-dessus. Bah, en fait, il faut mettre un vernis noir pour plus voir ce drapeau. Voilà. Mais. Ah, si, avec un vernis rouge aussi ça passe, ça fait sympathique. Et, ouais. Mais on voit un petit peu le drapeau en dessous. Ça fait un peu comme des flammes. Ouais. Mais en noir, ouais, elle est vachement bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'aurais pas mis la citre en noir, par contre. C'est vrai. C'est pour l'anima, c'est pour ça. Et bon, bah, c'est. Faut que je regarde pour la retirer. Ouais, c'est vrai que s'il y avait moyen, clairement, de retirer le vide, ça serait quand même mieux. Effectivement. Ça fait bizarre, de retirer le vide. Effectivement. Après, je suis passe, tiens. Je vais passer au truc. Je sais pas si c'est dur, voir s'ils peuvent. S'ils peuvent retirer ça. Bah non, c'est pas loin, c'est l'avantage, hein. Ouais. On a un problème. Lequel? J'ai plus de voiture. Ah, pourquoi ça? Bah pour rentrer au yellow, les trucs comme ça. Ah bah bravo. C'est pas loin, un pied. T'inquiète, j'ai ma moto pas très loin. Eh oui, du coup, ouais, moi je devais surtout que voilà, ils avaient foutu du coup Stark, et puis après, du coup, quand c'était Lyanna, c'était un merdier sans nom, les Speedy. Ouais. On avait perdu toutes les unités, on tournait à 4. Ouais. Du coup, j'avais remonté, enfin, j'avais fait une session de recrutement, j'avais formé tout le monde, on tournait quasiment à, je sais pas, peut-être entre 10 et 15 le soir, en patrouille, tout allait bien. Oui, c'est pas mal, effectivement. Ah ouais. Du coup, après, derrière, ils décident de foutre Désiré. Les unités se recassent la gueule, on retombe à 4-5. En service le soir. Du coup, Désiré prend sa démission, il me fout de moi, je remonte encore toute l'unité du SPD, on retourne à quoi? À 15, et je me prends, allez, je prends 7 jours de vacances. Alors, je me prends une petite semaine au ski, je reviens, en fait, on remet Désiré à ta place en tant que capitaine. Ok, d'accord, je vois, je me casse, allez, salut. C'est assez original, hein, de pas mentir cette période. Non, mais alors, c'est. Depuis que je suis sergent, je m'occupais du comico, je le faisais tourner. Mais non. Je préfère foutre des amis plutôt qu'un mec qui fait le taf. Si t'avais interviewé, parce que je m'intéressais tous ceux qui passaient capitaine, donc ce serait pas trop régulier, j'ai arrêté. C'est. Ouais. Enfin bon. On voit l'incompétence du gouvernement à ce point-là, quoi. Y a pas de gouvernement bien depuis un moment, quoi. Effectivement. Ni puis là, avec la nouvelle loi sur les PPA. Porte de voix, ça c'est absurde. D'ailleurs, normalement, il doit y avoir un. Comment s'appelle? Bah, déjà, moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont déjà une arme? Ah, bah, apparemment, c'est illégal. Oui, mais tu l'as acheté, tu vas pas acheter par terre. Bah, faut stocker dans ton véhicule. Ça, c'est... Bah, ouais, bon. Du coup, est-ce que tu as le droit de l'avoir dans le véhicule que tu as? Bah, oui, t'as le droit de l'avoir dans le véhicule, tu l'as pas sur toi. C'est le PPA, c'est le permis de port d'arme, donc pour le porter. Oh, si bah, tu l'as stocké quelque part, dans ton véhicule, ta moto, ça dérange pas. On va parfait, entre guillemets. Mais voilà. Mais bon, moi, ils vont s'amuser hein, quand je vais arriver avec toutes mes armes. Bonjour, moi j'ai ça, et ça, plus ça, et puis toute la caisse qu'il y a derrière là-bas, quoi. Non, moi j'ai pas beaucoup d'armes, mais aucune n'est marquée, donc. Et c'est pareil, tu prends la loi, c'est marqué les armes blanches, on s'en fout, il n'y a pas de numéro de série, hein, c'est marqué Civis Patrum Parabellum. Ah oui. Par ça, c'est tout. Puis, je veux dire, le problème, c'est que c'est aussi travail, les couteaux au LRM, on découpe tout ton des poissons. Ouais. S'ils viennent quand on découpe, forcément, on aura un couteau, quoi. Effectivement. Là, moi, je. Moi, j'ai encore mon couteau d'ennemi missiles, hein, donc les mecs qui me contrôlent, bah je l'ai. Pareil, j'ai encore mon flingue. Ouais, mais après, là, normalement, t'as aussi les trucs de. Les anciens outils de métier, t'as le droit de garder, normalement. Ouais. Apparemment, en tant qu'ancien capitaine, j'ai le droit à laisser passer comme quoi je paye pas, mais.
Ouais, bah si c'est gratuit, vas-y, hein, mais... Mais bon. Moi, j'ai une grande question, à quoi il ressemble le nouveau PPA? Parce que s'il ressemble exactement à l'ancien... Ah non, mais il y a pas de... En fait, c'est juste la loi qui a changé, le PPA reste le même, en fait, le papier reste le même. C'est le même, parce que du coup... Donc, je sais pas, bon. C'est un du petit coup, peu n'importe papier, quoi. Tu dis, ce papier-là, je l'ai eu récemment, qu'est-ce qu'ils en savent? Parce qu'il n'y a pas de date dessus, hein, j'ai vérifié. Ah ouais, il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. Si, à part, c'est quoi, il y a un numéro de série, je crois, sur PPA. Je suis même pas sûr que ce soit très différent l'un de l'autre. Hein. Bah attends, on va regarder, tant qu'il y a fait. 542 à la fin. Ah non, bah ouais, c'est pareil. Effectivement, c'est exactement coup, pareil. Ah, bah il est... Ah, moi, il y a même pas de nom dessus, tu vois, pour te dire. Oui, ça arrive, des fois ils se cachent, mais. Ouais, ah oui, c'est vrai que c'est maintenant les cartes holographes avec les. Comment ça s'appelle? Les trucs cryptés en grammé là, je sais pas trop comment. Ça se merde. Oui, c'est très original, mais bon. C'est pareil, tu vois, moi j'ai mon flingue tous les 4 jours, je regarde le numéro de série, il change quoi. C'est... Ah bah moi, j'ai le numéro de série donc. Ah, ouais, bah, comme ça, au moins t'es peinard. Ah oui, pour ça que j'ai récupéré celui-là. Faut aussi quelqu'un qui l'avait, il m'a dit, bah tiens, je te le donne si tu veux, je fais bah vas-y, hein. Ouais, c'est pratique, c'est pratique. Bon, C'est un truc à faire, vas-y, hein, moi. Ouais, non, mais en fait, je veux aussi tester l'espèce de 4x4, je sais pas trop quoi, là, buggy. Ah, oui, mais c'est pas mal. Lequel, l'auto, là-bas? Ouais, je vais voir un petit peu, là, dans le... Ah, c'est pas mal. J'essaie de voir, derrière, ils ont du but de sable, là, juste derrière. Bah, en tout terrain, c'est ouf, parce que y a rien qui accélère plus fort que ça, mais la vitesse max, c'est moyenne. C'est ça qui est moins bien. Ouais. Après, en tout terrain, tu risques rien. C'est. En plus, si tu te retournes, vu que c'est un peu arrondi sur le dessus, tu retombes sur tes roues, je pense. Ah non, mais oui, je connais des personnes qui l'avaient avant, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ok, bon, je vais voir le belge, voir s'il peut me faire tester. Eh bah, ça. Moi, j'ai ton Francis, mais je pense que c'est pas là. Ah non, Francis, ouais. Il occupe pas à compter son pognon, Francis. Ah, je vais pas lui reprocher, hein. J'aimerais bien être comme ça, moi aussi. Pas correct. Ouais, c'est pas mal. J'imagine que c'est plus ou moins comme ça que ça marche. Ouais, c'est comme ça. Et l'autre, du coup. Et la gunplay, j'aimerais bien. J'aimerais bien en avoir pour 46. J'aimerais bien avoir 46 000. Ok, ouais. Ça vous mettez ça à 50-51 000, ça fait toujours plus de 10 000 de baisse pour le futur acheteur. Ce qui me paraît pas trop mal. Ah bah oui, alors... vas-y. T'as pas une ampoule rouillée qui traîne? Ah Dieu, non, on en pense, hein. Putain, mais ah oui, comment vous allez redescendre? Y'a pas de taxi du coup, pour de vrai? Bah non, y'a pas. J'ai appris ça tout à l'heure. Non, mais je vais vous redescendre, Dis-moi, au pire, d'être pas... Ouais, je voulais tester le buggy qui est là-bas. Allez, vas-y. Impeccable. Ah, tu vas voir, ça c'est marrant, ça. En plus, y'a des buttes de terre juste à côté, là, c'est pas mal. Allez, fais ton plaisir. Ouais, à tout de suite. À tout de suite. La vache. Ah ouais. Ah, c'est bien comme bagnole en fait. C'est vachement bien. Ouh la vache. Thank you.
plein de trucs, je sais pas, la Pigalle... Ça, ça envoie. Ah, non, les Américains, ah bah, allez, je t'avais dit. Hein. De quoi? Ça envoie, hein. Ah bah, allez. En plus, c'est rien pour ton salaire. Ah, mais j'ai plus le même salaire qu'avant, hein. Salaire, là, je suis à 60 dollars, hein, non 70 dollars. Ouais, le mec il a racheté un hôpital, il l'a revendu et tout le bordel. Oh. Non, j'ai acheté des parts de cet hôpital. Ouais, cet hôpital appartenait à monsieur Alto, hein, c'est pas pareil. Oui, oui, on connaît. Hein. Écoute, il y avait l'occasion, j'ai sauté sur l'occasion. Ah, mais donc, il faut. Pour jamais. Info, le Outlaw là, il a 15 000, je crois. Ok, ok. Tu n'as pas dit moins la dernière fois? Je me sens que c'était un peu moins que ça. Bon, c'est 15 000, on l'a racheté, on sait, 12 000. Ouais, ton temps, c'est 15 000, quoi. Oui, mais oh, putain, non, comme ça, de tous les véhicules qu'il y a, je saurais pas trop dire. Alors, si jamais, il y a des fois qu'il y en a qui t'arrivent en tête. Bon, allez, bah écoutez, voilà. Moi, je vais faire un peu de plongée, je vais voir un peu l'épave d'avion, un peu les taux, là, et puis... Ok, bah vas-y, fais le voilà, bah à plus tard. Pas si loin du phare au nord, mon tapis. Ah bah. Ah ouais, au nord, il y a aussi. Pas si loin du phare au nord, t'as une cabine sous-marine. Ah ok. Phare. Bah j'allais faire un tour aussi, tu vois. Peut-être 300-400 mètres plus haut, j'aurais pas te dire de tête, mais je sais y aller. Ok, ok. Bon bah écoute, bah, je vais tranquillement là-bas. Mais tout sympa, hein, en fait, en ville. Ah ouais, ouais. Sympa. Bon bah, allez, putain. Profite-en bien. J'ai fait un tour force juste à côté. C'est juste à côté le phare. Putain, j'ai plus d'essence. Heureusement qu'il y a une pompe pas loin. J'avais vu, oui, j'avais fait gaffe. Habitude. Bon, allez, parti. Ah, ça peut être pratique, ça, par contre, la tenue de plongée sur la moto. Ah oui, le phare, j'ai oublié le phare. Il y a un chemin là. Elle est au B. Je connais pas. Prendre le chemin là. Est-ce que ça mène? Rien qu'à faire si on veut trouver des endroits sympathiques.
Ah ouais d'accord, il y a un grand jeu en plus. À sortie camping, on peut faire ça, ça peut être sympathique, hein, petite soirée camping monarchie. Bon, on va redescendre et puis on va aller au niveau du phare là, parce qu'il m'a dit qu'il y a un truc quand même. Oh tiens, on va appeler machin. Oui Julien. Oui, comment ça va? Bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien, tu fais quoi en ce moment là? Pas grand chose écoute. Ah ça te dit petite sortie plongée du côté de Paletto? On va voir un petit peu l'avion. Oh, oui. Ouais. T'es avec qui? Bah pour l'instant je suis tout seul, je te propose parce que j'ai pensé à toi, je me suis dit tiens, te montrer l'avion qui s'était crashé il y a quelques temps de ça. Bah je vais voir avec les gens avec qui je suis. Ah ouais, tant qu'à faire, okay. Ils sont d'accord, de toute façon moi je suis juste sur Paletto là donc Ok, voilà. Bah je t'en dis tout à l'heure. Ok. Vas-y, à tout. Ouais. Voilà. Cap tout ça. Ah, on va bientôt finir à arriver à la fin de la liste de musique. C'est à dire qu'il y a 2 heures de musique de liste du serveur cette fois. Serveur. Incroyable. Inventaire, est-ce que j'ai un truc à bouffer? J'ai rien à bouffer? Déconne.
J'ai rien à manger. Arachide, machin, pomme, tout. J'ai rien à manger, c'est une catastrophe. C'est une super donc. Super déjà. Il doit y avoir un superette dans le quartier. Au revoir. Oh, putain, elle est loin la superette. Besoin d'aide ? Je vais à une superette. La superette est juste au bout. Donc... Vous voulez que je vous y amène ? Oh, bah, si, oui, si vous voulez, oui. Ah, merci. Ah. Vous ne bougez plus. Ah, attendez. Vous ne bougez plus. Vous allez sortir de cette voiture tout de suite. Sortez de cette voiture tout de suite. Je vous vois utiliser une radio, un téléphone. Je vous fume. Rentrez dans la voiture juste devant. Dépêchez-vous. Pareil pour vous, monsieur. Allez, à pour rentre. Dans le XL juste devant. Dépêchez-vous. Allez-y, montez. Tu, Ziak, tu t'occupes de ouais. Tout ce qui est téléphone, radio, etc. On passe tout de suite batterie de téléphone, batterie de radio, tout autre moyen de communication, sinon ça va ça, très mal se passer. Soyons... Ah, tenez. Pourquoi ? Je vous donne téléphone, radio, allez. Couteau et pompe pistolet aussi. Madame, téléphone, j'attends. Radio. Merci. Ça sera tout mis dans un sac, ça vous sera restitué à la fin de notre entrevue. C'est déjà fait. C'est fait. Exact. J'ai fait le tour, je suis parti direction sud. Direction Syrie. Parfait. Coin, Ziak. Ok. Pas trop escarpé, j'ai pas envie de me retrouver au milieu de la pampa. Ouais. De manger une idée, laisse tomber. T'as une idée ? Nickel. Ouais. Oh là là, et franchement, tomber sur le fils comme ça en mode bah les couilles quand tu pars juste faire de la plongée. On va se mettre bien là, monter un peu ici. Des beaux paysages. Nickel. Voilà. Un peu plus haut, mais bon. Impeccable. Arrivé. Bouge pas, personne descend. Descendez, messieurs. Dames. Allez-y, allez rejoindre votre collègue. C'est pas mon collègue. Madame Carlier. Oui. Je vous avais dit que je reviendrais si vous nous avez menti. Or, nos informations nous ont dit que vous nous avez menti. C'est-à-dire ? Quelle est cette histoire d'autres informations sur le maire actuel de LS que vous avez décidé de sortir ou que vous avez l'intention de sortir ? Ah putain, c'est Carlier, je sais même pas. Pour l'instant, non, rien. Pour l'instant, j'allais juste me rendre ne à LS. Ne vous foutez pas de ma gueule, Madame Carlier. Maintenant, vous passez à table tout de suite et vous allez me dire ce que vous savez, ce que vous allez faire, vos intentions et ce que vous avez fait. Sinon, je vous jure que si je commence à m'énerver, Madame Carlier, ça va aller très mal. Câble ta carte sur table, maintenant, tout de suite. Ben, sur monsieur Leroy Stanford, je n'ai pas d'autres informations que ce que je vous ai dit l'autre fois. Je suis pas toute seule dans le journal, non ? Alors on dirait que votre mari ne vous dit pas tout.
Votre mari est-il disponible ce soir ? Non. Ça fait une semaine et demie que je le vois pas. La belle affaire. Donnez votre téléphone à l'un de mes hommes ici présents. Tout de suite. Oui. Ziak, tu t'en charges. Ouais, donnez-moi ça. Oh là là là. À qui je le donne ? À moi. Merci. Voilà. Cobb. Madame Carlier, Madame Carlier. Oui. Quel est l'intérêt pour vous de vous intéresser au maire de Los Santos, dites-moi. Pour l'instant, j'ai juste vu qu'il était aussi pour l'indépendance. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous déployez tant d'énergie, il y a tant d'informations qui circulent, tant de choses qui remontent jusqu'à nos oreilles, pour c'est tout. Mais la dernière fois que je vous ai vu, après, je ne suis pas revenue depuis. Je suis revenue aujourd'hui. Et je suis revenue hier soir comment pour travailler, c'est tout. Oh, le seul truc que je suis au courant, c'est que comment il faut que je sorte Charlie ce là, soir. Il y a eu des problèmes avec les maraudeurs et monsieur Toussaint. Je viens d'apprendre aujourd'hui que comment monsieur Ra avait perdu sa femme ainsi que son prêtre. C'est les seules informations que j'ai depuis que je suis revenu aujourd'hui et hier soir. Donc vous n'avez aucune explication pour ces informations supplémentaires concernant le maire actuel de Los Santos ? Non. Il y a juste Monsieur Miller qui me demande si j'ai des informations concernant les vidéos. Et je lui ai dit que non, que j'avais rien du tout. Monsieur Miller vous demande des informations concernant oui. les vidéos. Les vidéos, oui. Est-ce de savoir qui c'est qui a. Il veut savoir qui c'est qui a fait les vidéos, étant donné que comment apparemment ça se retourne contre lui à la LSPD et qu'il avait un délai pour prouver son innocence. Vous travaillez seul avec votre mari ? Oui. Vous partagez jamais vos informations avec d'autres journalistes, des indépendants ? On est indépendants et monsieur Castan, ben, on ne le voit plus depuis un petit moment. D'accord. Monsieur qui ? Monsieur Castan Léonard. D'accord. Et vous travaillez avec lui donc ? Non, de temps en temps, on s'échange un peu les informations. Mais là, je vous dis, ça fait bien sûr deux semaines et demie qu'on ne l'a pas vu. Donc, Y a-t-il d'autres vidéos de prévues ? Non. Aucune autre ? Non. Votre époux, Monsieur Florian Carlier, n'a prévu de sortir aucune autre vidéo ? Non. C'est ce que vous m'affirmez ? Pas pour l'instant, non. Vous êtes sûr de vous, Madame Carlier ? Oui. D'accord. D'accord. D'après toutes les sources que nous avons, et croyez-moi qu'elles sont conséquentes, d'après toutes les sources que nous avons, toutes les oreilles que nous avons, tout le monde nage dans le même sens. Tout le monde nous dit la même chose, à savoir qu'il y a d'autres vidéos de prévues, qu'elles sont prêtes à être publiées, d'ores et déjà à l'heure actuelle au moment où je vous parle. Ah ben franchement, je sais pas, parce que moi je suis pas au courant de ce que... Donc votre mari vous cache des choses, Madame Carlier ? Je sais pas. Bah c'est pas que vous savez pas, c'est sûrement. Que non, vous le savez, je vous le dis, il vous cache des choses. Il vous cache des choses. Et regardez la situation dans laquelle ça vous met. Peut-être que c'est votre cher et tendre, peut-être que c'est votre époux depuis de nombreuses années, mais c'est vous qui vous retrouvez en face de moi aujourd'hui. C'est vous qui êtes en face de moi, c'est pas lui. Alors que c'est lui qui devrait être en face de moi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est sur lui qu'on a les informations. Il vous cache des choses et ça vous met en danger. Je sais pas quoi dire. C'est bien ça le problème, Madame Carlier. C'est que vous ne savez pas quoi dire. Et moi non plus, je sais pas quoi vous dire. Vous avez moyen de contacter votre mari ? Non, vous venez de prendre mon téléphone. Et là... T'as quelque chose d'intéressant, Ziak ? Parlons du téléphone, Madame Carlier. Oui. Pourquoi mentionnez-vous certains messages avec monsieur... Comment
Toby Clay. Oui. Vous avez appelé Maxine la dernière fois, je crois que nous avons eu une autre entrevue. J'ai entendu ce prénom sortir de votre bouche à la radio. C'était pas Max Zolotov que vous appeliez? Si, à la radio, c'est Max Zolotov parce que c'est la radio du TG. J'ai de l'entièreté. Parce que même quand on est. Mes amis ont entendu le prénom de Maxine. Alors, Madame Carly, arrêtez de me prendre pour un con deux minutes, s'il vous plaît. Quelles sont vos relations avec les deux personnes que je viens de citer un instant? Et moi je suis là en mode. Je vais juste récupérer comme ma nourriture et mes boissons là-bas parce que au TJ, ils ne veulent plus tout ce qui est nourriture américaine, tout ce qui vient des Américains, ils ne veulent plus. Donc du coup, on est obligé de faire notre plein là-bas. Madame Carly, donc vous vous faites enlever. Le premier réflexe, c'est d'appeler des personnes qui vous donnent de la nourriture. D'autant plus que ce message qu'il y a sur votre téléphone n'a rien à voir avec de la nourriture, Madame Carlier. Donc maintenant, vous allez arrêter de nous prendre pour des cons, ou je vous jure que le mot douleur, je vous l'explique autrement qu'avec une définition du dictionnaire. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, Madame Carlier? Oui. Je réitère ma question, Madame Carlier. Quelles sont vos relations avec Maxine du Ranch et Monsieur Toby Clay? On a une relation particulière au niveau avec les maraudeurs. On les a beaucoup aidés tous les trois pour leur apprendre à ne pas faire des choses avec les citoyens parce que pour le coup, ils étaient pas mal perdus. Écarte-toi, toi. Ah, je me charge. C'est bien, celui-là. Sans branle. Donc du coup, des fois on se rejoint et quand les maraudeurs sont là et l'autre fois on leur a fait visiter un peu Elefs. Et... Juste les vidéos quand Monsieur Miller il avait demandé le droit de réponse et quand on a fait l'interview de Monsieur Frost. Non. Approchez-vous, tout de suite. Et remettez-vous là. Dépêchez-vous. Continue, Cobb. Vous êtes sûr que vous ne cachez plus d'informations? Dites-nous la vérité, maintenant, Madame Carlier. Maintenant. Parce que pour les mensonges de votre soi-disant mari, ou pour les soi-disant mensonges de votre mari, ou parce que vous le protégez, c'est vous, là, qui êtes en face de moi. Et c'est vous qui allez devoir payer la facture. Astrologique Fahrenheit qui vous regarde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, Madame Carlier? On n'a aucune envie de faire ce qu'on est en train de faire. Là, c'est vous, et vous seul, qui nous forcez à faire ça. Dites-nous la vérité maintenant, Madame Carlier, tout de suite, sinon ça va très, très mal finir. Je vous ai dit tout ce que je savais. Vous êtes vraiment sûr, Madame Carlier? Vraiment? Tout ce que vous savez? Sans exception? Sans rien oublier? Sans rien nous cacher? Sans protéger votre mari ou vos intérêts? J'ai plus de questions pour vous. Ziax, t'as des questions? Négatif. Factor X, avez-vous des questions? J'en ai une seule.
Êtes-vous prête à passer le restant de votre vie à regarder derrière vous, Madame Carlier? Puisqu'on va être tout le temps ça, c'est derrière Stark, vous, c'est sûr. On va vous traquer. On va observer le moindre de vos faits et de vos gestes. Et pour les mensonges que vous nous avez dit, vous allez le regretter. Et vous, vous êtes ? Êtes-vous prête ? Delfarge. Madame Carlier. Monsieur Delfarge. Comment se passe votre retraite ? Vous allez vivre un enfer. C'est calme. Vous calme. Allez comprendre ce que c'est. C'est-à-dire ? Que de mentir au fils. Disons que si jamais je partais faire de la plongée, en fait, à l'instant. La délation est envoyée. Voilà. Regardez, au lieu de faire de la plonge, prenez de la hauteur. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Jusqu'à maintenant. Effectivement, la vue est sympathique. Je ne connaissais pas. Rien comparé à ce que je vous prépare. On s'est compris. J'ai compris. L'indépendance doit se faire. Et si je dois vous tuer, vous, lentement, devant votre mari, ou si je dois tuer votre mari lentement devant vos yeux, je le ferai. Et là, vous comprendrez. On y va. C'est parti. Zach, tu me fais mon téléphone, je peux pas récupérer. Si, je vais leur donner votre téléphone. Il y aura un reboot que dans 5 minutes. On pourra utiliser que dans 5 minutes. Ok. J'ai mis un reboot du téléphone. Montez. Montez à l'arrière du véhicule. Montez à l'arrière du véhicule. Non, à l'arrière du véhicule, madame. Non, mais. Laissez-moi monter parce que ça va m'énerver. Voilà. J'ai pris vos batteries de téléphone en attendant, madame Carlier. Ainsi que monsieur, vous êtes Delfarge. Enchanté, monsieur Delfarge. Enchanté. Du coup, on va où ? Descendez. Prends-leur leur batterie d'abord. Tenez. Bougez pas. Reboot dans 5 minutes des téléphones. Vous pourrez pas appeler avant 5 minutes. Ah, merci. Comment ça va? Je vais chercher ma voiture. Ah oui, allez-y. Ah là. Bon, moi je vais chercher à bouffer par contre. Parce que ça va manger de trucs.
Bon, moi qui voulais faire de la plongée, merde, je suis bloqué, je suis obligé de faire tout le tour là. Un chemin. Eh, bonsoir, le T-Service. Monsieur Delfarge. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait enlever? Ouais, 2x4 noir, un véhicule sportif. 2x4 noir, vitre teintée. Effectivement. Blindé. Effectivement. Ok. Vous n'aurez pas un truc à manger parce que j'ai faim. Parce que là, ça va peut-être pas. Je vais pas pouvoir répondre à vos questions pour longtemps. Mais qu'est-ce qu'il voulait, merci. Il voulait parler à Madame Carlier qui était avec moi, enfin avec moi, que j'ai croisé ici. D'accord. Et vous savez de quoi ils ont parlé à peu près? Non, ils m'ont mis à l'écart, donc j'ai pas suivi la conversation. C'est cachot? Ils étaient combien de personnes? 6. Ouais, au moins. Au moins 6, peut-être plus. Choumash. Faudrait qu'on aille check vers Choumash là maintenant. Je vais chercher toi, ok? Oui, non, vous inquiétez pas, de toute façon, moi j'ai une voiture qui est là, enfin j'ai une moto donc. Ouais, tout bien. Voilà. Bon, bah du coup, ils m'ont donné à bouffer. Je vais pouvoir repartir dans l'autre sens. Cherche 3-4 sandwichs. Ah là 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 là. Hello, t'es service, comment allez-vous? C'est pour vous qu'on doit venir chercher? Bah apparemment ouais, je crois qu'il... Ouais, voilà, je... Si vous pouvez me déposer juste du coup à la... au parking qui est juste devant là-bas. Je sais pas où. Parce que j'ai ma moto qui doit être là-bas normalement au parking. Sympathique comme petit véhicule, ça y est, donc c'est la première fois que je monte dedans. Impeccable, merci beaucoup. Et puis bonne journée à vous. Hein. Et vous êtes monsieur? Monsieur Delfarge.
ancien capitaine en... Oui. Monsieur. Oui. Oui, allô. Oui. Est-ce que vous... 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Ah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Monsieur. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Ah, bah, 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 Ah, ah, oui. Ah, oui. Oui, c'est bon. Et vous êtes monsieur Delfarge, l'ancien capitaine de police. Vous vous êtes fait enlever? Oui, je me suis fait enlever par. Parce que j'étais là où, aux endroits au mauvais moment. Mais c'était surtout apparemment Madame Carlier qui souhaitait être interrogée par les personnes qui nous ont enlevé. Vous étiez avec Madame Carlier? Parce que là, elle est. Bah alors, oui, ils nous ont déposé, elle est partie récupérer son véhicule en courant, à pleurer un peu. Elle est avec mes collègues. D'accord. Mais oui, non, je. Ouais, ils nous ont déposé là et puis ils sont partis. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez vu, vous exactement? Ils nous ont emmenés là-haut dans la montagne, là. Ils nous ont fait descendre, ils ont parlé avec Madame Carlier, moi, ils m'ont mis à l'écart un peu plus loin. Et puis il y en a un qui me surveillait pendant que les autres parlaient avec Carlier. Et puis voilà quoi, grosse merde. Ils étaient comment habillés? Ah bon, juste habillés, costard cravate, un petit masque sur la tête. D'accord. Style AK-47, les 47 dernières générations. Voilà. D'accord. Véhicule blindé, enfin bon, des mecs qu'il faut prendre à la légère. Très bien. Bon, écoutez, parfait. Je vais noter ça. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro aussi, comme ça, si on... Oui, c'est le 555-5994. Très bien, comme ça j'ai votre numéro. Pas de problème. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, contactez-nous. Moi, mon numéro, c'est le 2296. D'accord, et c'est comment... Moi, c'est Murène. D'accord, merci. Impeccable. Voilà, on va s'occuper de Madame Carlier et voir ce qui s'est passé vraiment. Ouais, parce qu'elle était quand même un peu sous le choc. Hein, oui, bah, elle était pas très bien. Impeccable. Ah bah, bon, quand même sur, ouais, bah je vais récupérer ma moto là, et puis voilà, j'étais parti pour faire un peu de plongée en mer de base. Et puis voilà, en fait, j'étais parti me changer quand j'ai croisé Madame Carly qui sortait boutique, je crois, enfin, il y avait son véhicule à côté. Puis bah, ils sont arrivés pleines balles, quoi. Très bien. Donc voilà. Vous avez votre véhicule dans le garage juste ici? Ouais, j'ai ma moto, j'ai garé ma moto juste là, en fait, dans le garage pour aller faire de la plongée. Et puis... Je vais vous laisser. Si vous souvenez de quoi que ce soit qui pourrait nous aider, n'hésitez pas. Y'a pas de soucis. Très bien, et vive le roi. Allez, vive le roi. Ne répond pas. Bon, tant pis, pas de frost, hein, pas de frost. Bon, du coup, on va chercher des trucs à bouffer parce que j'ai plus rien sur moi. J'ai plus rien. Normalement, en termes de boissons, j'ai encore un café. Bon,
calme, fille. Bon, est-ce que je pourrais aller faire de la plongée tranquillement, s'il vous plaît, mesdames, messieurs? Eh bien le bonsoir. Et bonsoir. Du coup, tenue. Normalement, il y a une tenue plongée quelque part. Hein. Swap. Je savais même pas qu'il y avait un truc. Donc la tenue de plongée. Comme ça sera mieux. Ah oui, c'est celle-là, sauf qu'il y a le truc dégueulasse dessus. Alors attendez. On va faire autrement. Force. Ah mais c'est ma... Non, c'est ma chemise, c'est ma veste. Tenue. Oh bah merde. Oui. Oui, le Delphar, le téléservice. Oui. Je voudrais savoir, c'est où qu'il a été enlevé? Attends, bah je suis à la boutique de vêtements là. Ah bah c'est bien. Bien. Bah du coup, en fait, il y avait son véhicule qui était garé dans la ruelle, là, à Carlier, Madame Carlier. Et c'était quoi le véhicule? Oh, c'était un 4x4, 4x4, 4x4 noir, comment c'est déjà? Il est au dur, le 4x4. Ouais, c'est un truc, en plus, c'est un truc où il faut avoir du pognon, hein, pour voir ça. Et du coup, bah, en fait, j'allais me changer pour aller faire de la plongée. Et manque de bol, j'avais faim, du coup, je suis parti pour aller chercher à bouffer. Et du coup, elle m'a proposé de m'emmener. Et au même moment où je vais remonter dans le véhicule, donc c'est-à-dire au niveau du 4x4 là, bah du coup les véhicules sont arrivés d'en face, plein de balles. Ils sont arrivés, sont garés, nous ont pointé avec les armes et puis on est monté dans leur véhicule. Voilà. Il y avait combien? Il y avait trois véhicules et moi j'ai vu il y avait quoi deux personnes qui sont sorties d'un véhicule. Il y avait deux personnes dans l'autre véhicule où on est monté. Et après je sais pas combien ils étaient dans le troisième véhicule qui était garé à peu près ici là. Et ils voulaient quoi? Il voulait parler à Madame Carlier, donc je me suis trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, malheureusement. Et il a dit quoi?
Il a juste dit de monter dans le véhicule. Après, du coup, nous on est monté. Moi j'ai donné tout, hein, pistolet, couteau, téléphone, radio. Et puis après, une fois qu'on est monté, ils nous ont fait monter là-bas au niveau de la montagne. La montagne qui est à droite là-bas. Ouais. Ils ont pas commencé à parler avec Madame Carlier. Ouais, ils m'ont fait dégager, ils m'ont mis à l'écart. Hein, et l'écart pour discuter avec Carlier. Puis je pense qu'elle devait pas bien répondre aux questions parce qu'il lui a foutu quelques baffes. Donc voilà. Un petit peu près tout ça. Et après, sur le retour, qu'est-ce qui est passé, Madame Carlier? Après, sur le retour, on est remonté. Ils nous ont donné nos téléphones. Ils se sont arrêtés derrière. Et puis ils nous ont lourdé. Et puis ils sont repartis. Voilà. Tu dis qu'ils vous ont donné votre téléphone? Ouais. Pourquoi Madame Carlier nous a dit que. Non, et apparemment, elle a dit une connerie du genre leur téléphone était, pouvait pas appeler pendant 5 minutes. Hein, ouais, je sais pas. Le logiciel de cryptage à la con sur le téléphone, on pouvait pas les utiliser. Ah merde. Ok. D'accord, et son latitude, il était comment dans les voitures? Ah, ils étaient très calmes, hein. Carlier. Bah, elle avait peur, ça c'est sûr, hein, très clairement. Elle était apeurée. Et puis après, elle pleurait, hein, quand on est revenu, elle était en pleurs. Tellement en pleurs. Le retour, elle pleurait? Ah ouais, elle était pas bien. Si on va pour un médecin, petit psychologique, pas sûr que ça aille très bien. Hein. Ouais, tout bien. Bon, va nous aller. Ah ouais, très bien. Bon, bah je vais faire de la plongée moi maintenant. Enfin, je vais essayer. Ok, tout bien. Hugues Leroy. Allez, Hugues Leroy. Bon, est-ce que je vais pouvoir aller faire de la plongée? Est-ce que je vais pouvoir aller faire de la plongée? Obtenu. Parce qu'il y a quand même un moment donné. Voilà, bon déjà on a pantalon et chaussures. Normalement, en termes de chaussures, on devrait pouvoir avoir les palmes. Ah, c'est vrai qu'il y a la tenue militaire. Bah attendez, on va la refaire complètement. Faut que j'arrive à trouver le. Heureusement que j'ai dit que c'était une soirée tranquille, on allait pas faire grand chose. Hein. C'est pas ça. Ah, c'est ça, voilà. Le torse.
Voilà, et du coup, chapeau. On va voir normalement le masque de plongée que tu as pas. Ouais. Peut-être pas en fait, c'était dans les accessoires. En fait. Accessoires. Ah, c'est vrai qu'il y a l'appareil photo maintenant. C'est quoi ça? Je sais pas ce que l'accessoire celui-là il est bugué, je crois. Ah non, c'est les plaques militaires. Ah, tac 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 tac. D'oxygène, ils sont où les petites? Merde. Bah, tant pis, il n'y a plus les bouteilles d'oxygène. Je crois qu'il y a un léger bug. Ou alors c'est pour une grosse tenue. Celui qui a une grosse tête, mais. Oh la vache, la classe! Soit c'est cassé, soit c'est. Bizarre ça. Par contre, ça. C'est. C'est high-tech, hein. Du coup, il m'a pas rappelé Frost en fait. Rappelé. Pourquoi j'ai pas trouvé les petites bouteilles? J'avais trouvé les petites bouteilles pourtant. Je crois que ça doit se faire dans les sacs. Ce qui m'étonnerait, mais. Est pas là. Sac. Regardez. Non, bah non, bah je sais pas où c'est passé. Bah merde alors, à qui il aurait pu être Frost? Il aurait pu être Extros peut-être, je sais pas si Extros c'est... Non, j'ai pas envie de lui envoyer un message, je veux l'appeler. J'ai pas le numéro de derrière, parce que je suis sûr qu'il serait avec.
je l'ai pas. Ah, mais si, je l'ai. Qu'est-ce que je suis con. Attendez, faut que j'aille chercher. Chercher, en fait. Faut que j'aille chercher, là. Évidemment. Ici. Hop. 53 59 53 59. Oui, allô, bonsoir, Daria. Da, je reconnais votre voix. Ah, oh, c'est pas mal. Vous êtes Monsieur Delfarge, Da. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes avec le maire, là, enfin le maire, Frost ou quoi? Niet, quoi. Ah bah merde, non, parce que en fait, je l'appelais tout à l'heure pour proposer une sortie, sortie plongée et compagnie. Et puis ouais, y a pas de soucis, je te rappelle, et puis j'arrive pas à le revoir depuis. Ah bon? Ah bah Niet, je suis pas avec lui. Ah bah merde. J'étais au Unicorn il n'y a pas longtemps, il n'y était pas là non plus. Ah! Il est peut-être chez lui? Ah, peut-être, peut-être, parce qu'il était avec du monde apparemment, mais. Et je sais pas qui du coup. Ok, ok, bah merci pour les informations. Pas de soucis, désolé de pas pouvoir vous aider plus. Y'a pas de problème, pas de problème. Bah, moi, je vais aller voir chez lui directement, tant qu'à faire. Bon, bah à la prochaine, au revoir. Au revoir. Qui pourrait être avec lui? Folan, on se trouve, c'est pas là. Secrétaire de mairie, c'est la secrétaire qui se trouve avec. Avec lui, je crois. Sortir la moto, je vais y aller juste à côté, m'asseoir sur le banc, appeler tout le monde. Avec les palmes quand même, c'est pas mal. C'est pas mal là, c'est pas mal avec les palmes. La fermer, on sait jamais, c'est plus que je me fasse enlever dans la foulée. Alors ça, du coup on a dit la secrétaire de mairie, la secrétaire de mairie, la secrétaire de mairie. Oui, bonjour, c'est Monsieur Delfarge, comment ça va? Oui, oui, ça va et vous? Oh bah ça va, ça va. Vous êtes avec le maire ou enfin le maire, avec avec Aiden ou pas là? Aiden? Oui. Oui. Ah d'accord, donc en fait j'essayais de l'appeler tout à l'heure mais j'ai pas réussi à l'avoir. Ah bah essayez du coup. Ah d'accord. Enfin, réessayez du moins. Ok, bah merci, merci aussi. Pas de soucis. Et je fais le numéro, ça se passe comment là? Alors bonsoir messieurs. Okay. Alors bonsoir messieurs. Ouais, ouais, ta batterie et tu te casses. Bref. Tu ranges ce couteau. On peut plus faire de la plongée tranquille hein, ici, ça fait longtemps.
Oh là là. Ah là là, bon. Merde, tu en fais pour descendre. Bon, Frost arrive. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'ils m'ont pris ma batterie. Bon, tant pis. Sans... Bonne charge. Oui, du coup, parce que j'arrivais pas à t'avoir tout à l'heure. Oui, j'étais en train de faire des trucs. Ah d'accord. Pas de soucis, pas de soucis. Du coup, parce que moi je suis quasiment, enfin là je suis parti pour les plonger. Ok. Voilà. Arrivé 2-3 trucs, hein, là, con. Ah non, enlèvement, enfin bref. Ah, voilà, voilà. Okay. Du coup, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. J'ai des trucs à régler avec le prof là. Ah ok, d'accord. Tout à l'heure. Et puis après, je sais pas, il commence à se faire tard. Ah non, ça va en fait. Il est pas si tard que ça. Non, j'ai des rendez-vous avec le prof, et puis ensuite je dois voir une pote, donc je te redis après. Ok, d'accord, bah, très bien. À mon avis, non. Enfin, je pense qu'on va pas remonter au marché. D'accord. Bon bah, oh, tant pis, c'est pas grave. À plus tard. À plus tard. Bon bah, tant pis, on va faire des plongées tout seul. Espérons que le... J'ai encore mon... J'ai pas ma lampe torche. Attendez. Pourquoi je n'ai point ma lampe torche ? Lampe de poche. Équipé. J'espère qu'elle fonctionne sous l'eau, quand même. Ah, elle fonctionne pas sous l'eau. Ah, c'est embêtant, ça. Ah, les respirateurs fonctionnent enfin. C'est génial ça. Par contre, je sais pas comment on fait pour nager, hein. Ça c'est encore une question ça. Je remonte. Hein. Les respirateurs fonctionnent enfin, on aurait pu rester un peu plus longtemps sous l'eau, j'ai l'impression. Il y a un truc là-bas. C'est l'épave de la... Soit c'est l'épave de l'avion, soit c'est un nouveau truc. Par contre, je veux bien savoir comment on fait pour nager sans sprinter en fait. Sous la flotte. C'est toujours l'épave de l'avion.
j'aurais pas vu. Du coup, il m'a dit qu'il y avait un autre site de plongée. Niveau. C'était au niveau. Il faut que je me rappelle. Enfin. Je vais aller faire. Il est déjà 23h. Bon, on ira faire le site de l'autre site de plongée plus tard. Putain, putain, pourquoi j'ai toujours le couteau en main, ça m'énerve ça. Du coup. Bah, du coup, mesdames, messieurs, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Ceux qui regardent l'Ardif, voilà, voilà. Petit pépin tout à l'heure avec le taxi, malheureusement, je pouvais pas prendre de clients moi, à un moment donné. Enfin bref. Du coup, merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui regardent l'Ardif hein, sur YouTube ou sur Twitch. Merci à tous ceux qui follow et... qui follow pendant les rediff. Voilà, voilà. Allez, à plus tard.